Ce moment, c'est l'un des moments les plus merveilleux du culte. Alléluia. C'est le moment où on est face au Seigneur. Amen. C'est le moment où il n'y a pas de vous. C'est le moment où il n'y a pas un frère à côté. C'est le moment où il n'y a pas une soeur à côté. C'est face à face avec Jésus. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Lorsque le Seigneur s'est manifesté, lorsque le Seigneur a révélé à Jean, Seigneur, ce qui allait se passer dans les temps à venir, la Bible dit qu'à un moment donné, le roi des rois, c'est sur son trône de grâce, tenait dans sa main un livre. Alléluia. Alléluia. Et à un moment donné, il y a un vieillard qui s'est levé. Il a dit, qui est digne d'ouvrir ce livre? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un de digne au milieu de ce peuple pour ouvrir ce livre? La Bible déclare, quand Jean regardait autour de lui, il a vu que personne ne se levait pour ouvrir le livre. Alors il s'est mis à pleurer. Alléluia. Il y a des moments tu es dans des situations. Tu te mets à pleurer parce que tu te dis, il est où celui qui est-il d'ouvrir le livre? Jean a commencé à pleurer. Jean a commencé à pleurer. Jean a commencé à pleurer. Un moment, le vieillard lui a dit, arrête de pleurer. Alléluia. Moi, aujourd'hui que Jésus-Christ de Nazareth passe par chez toi, il te dit, arrête de pleurer. Alléluia. Celui qui est digne d'ouvrir les sept sceaux est assis à la droite du Père. L'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda, l'admirable conseiller, le rejeton de David, devant lequel tout genou fléchit, devant lequel les pas vivants fléchissent les genoux, devant lequel les méthodes vieillants fléchissent les genoux. Alléluia. À toi tout l'honneur, toute la richesse, toute la puissance, toute la magnificence. À toi la suprématie. Alléluia. Alléluia. Donne-toi Jésus. On a fait pour le Seigneur. Merci, God of God, ce matin. Nous saluons ta présence, Seigneur. Au-dessus de ton nom, il a reçu le nom. Au-dessus de ton nom, Alléluia. See you.
sur genoux. Oh,